Salam alaikum en balma malien, mon foko barkada balma kenaw denga do marasi je recherchais. L'air est très grave vraiment au Niger. Hidji sauve les soldats nigériens. Kabako à Kera Niger. Un tel jour qu'on a une vidéo à partager et si à fond. Donc les Burkina au cas FDPO a oublié kabako da terroriste ou quoi. Au cas FDPO kabako da terroriste ou quoi. Donc, amène à Canada dans une situation flala. Donc, partagez les vidéos, mettez les cœurs, balancez des j'aime. Quand un chef qui a fait chèque, chef, Tiami, Aïdra, Kabako, Fouratki. Dien Dongoro, Tiami, Nga Foura, amettez-moi un jour de sort. Alors, mon nom de Balbaore, la mafongo, Kabako, Fouraudo. Est-ce que vous voyez? Et donc, amettez-moi témoignage sur le coup, que diabète territoire, Kaban, Kouma, Delga, Foura, Nyoye. Ambe doga témoignage sur un coup, on paralyse les noms. Sans chama. Et pas sur un calogue les monnaies d'obé ou les coups de jossinga. Ou bien t'en congé les monnaies. Malmou, doga kaba. Kaba me boire à madena. Doga témoignage au fourain ou au traité. A tissé à la calipa. Fourain a pe pana pas de ne fraque. Et namorobala a be 75 64 10 10 75 64 10 10. Otemele mo palmo amanga kutubu nanga waliu anga pelepele sheku la sana kane pelepele apeseko balmo la sana kane ga waliu a sega yere te ala balmo ala kama mo mo panja mona yon kona la wallahi ka fo ala e ala ka ajabi am balmo la sana kane bo o cheba o dola ambe kutubu ni waliu fo ay bara minge M5 la Kaibega daga saka bwana la kutubu ni wali u yani jien wuli cha toko te tunu onda tange ne amarasi la video la. Na ila sana gane fo, ambe shek sala fo kanjalo, lere faise ku daura kanjalo fo yan fo tuba kura. Na ya fo, murke mure fo ya te toko kunkelenge ya, alaka jo imo mbe un, malikono mapan. Na ya fo amanto la ka amadu kanjalo fo, ka fami kanjalo la ka pe fo. Eski ya famu. Mali konna la kanjalo la gaw balma o sigata la doni maga duru ka damna Muhammadu Abdullahi Shadu ka seddi li mununuma upe ka fuli bea donc ambe soro ka dun anga suje yere kono balma o kabako kera Niger tukone alaka hina Niger sarasu la alaka Niger sarasu daoro sumaya kuna sini terrorisu de flek tukone ka Niger sarasu de frappe balmo sarasu de fle ka convoi do escorter imagine obeka convoi escorter sanu be mo gomu mbolo ko escorter ka bonu e Arlet City la o ka escorter tatola de fle terrorisu de fle ka ambuscade da escorter e ka soldat che tu nyo ko bonen nina ka armu baden tien qu'un véhicule blindé baden détruit Katani Armouye. Le convoi était sécurisé par l'armée nigérienne. Avec des moyens de renseignement de l'armée nigérienne. Convoi n'y a pas de attaque de na Arlit. Francisca Sarasu, la France dispose de plus de 3000 soldats au Niger. Avec plus de 253 commandos parachutistes. À la France dispose de plus de 30 avions de combat. Niger Konala. Sans compter les drones Reaper. Les drones Predator. Récemment, l'Union européenne m'aura qui déploie Allemagne et Niger. Mais à Kabako et Tourni, Allemagne fait beaucoup condamner Niger. Américains n'ont aucune position à renforcer Niger. Et Balmao. O shima to terrorisme flé ka dimindo Niger sarasu la bazum sigilen senga walma ore la anima to abu ke ka jamana la tien dumu do iba me ki ka duku tira ko attaquera parce que ils veulent coûte que coûte légitimer leur présence sur ton sol ore la c'est pour cela ils laissent perpétrer des attaques d'une telle envergure yam ninche ya 2 mois seulement plus de 75 militaires nigériens ont été tués par les terroristes. Un détachement complet au décimera.
sera si ka détachement complet ka ta nuka armu lourou ye France ka commando me o ma intervenu ka avion ma intervenu ore Stéphane Niger chef d'état major kun willa ke boli kana Mali la kana ko asimenga demain do ama ka dalen ta to bula ko asimene Mali ka barake parce que bi Mali le Mali est en train de mener l'une des plus grandes offensives de son histoire avec l'armée burkinabé. Mali manar terroriste frappe nous kunda Burkina ga ni Burkina ou frappe ou tisse ka se ngana Mali la ou mouné ga ou direction le Niger. Donc le Niger est en train d'être surpassé par la multiplication du nombre de terroristes parce qu'il fuit le Mali, il fuit le Burkina direction vers le Niger. L'armée française refuse de montrer la bonne foi pour que le Niger n'y attaque à l'aide qu'à Sarasou demain. Sinon, il manque que Niger Sarasou là. Deux mois, vous avez été frappé. C'est ça, cinq soldats sont tombés lors d'une mission d'escorte. A Tisséka Kéwa. A Tisséka Douakli là, à Tisséka Famou. On se demande maintenant quel sera réellement le sort des soldats nigériens. Niger sera sous quoi y'a bien à quelque chose de mena. Ou bien à ton situation, on va. Ou bien à ton situation, on va. Ou bien à tchao bien à banwa. Et un pays, 3000, où il y a 3000 militaires français. Il y a les forces américaines. Il y a l'Union européenne. Il y a tous ces moyens. Il y a une soi-disant armée de l'air. Ou en tant aussi, c'est opérationnel. Niger. Au Bella, cela n'a pas servi d'empêcher les terroristes qui attaquent Choukouké. Vraiment, c'est vraiment déplorable, c'est vraiment dommage. Aurait l'amour au Kangado, à quel point l'armée burkinabé et l'armée malienne sont en train de travailler. Ils sont en train de lutter jour et nuit pour que leurs soldats, les soldats de ces deux nations ne tombent plus dans les embuscades. Pour qu'ils puissent avoir les décès sur les terroristes. C'est eux qui ordonnent le rythme, la cadence des opérations contre les terroristes. C'est eux qui poursuivent, pourchassent les terroristes. C'est eux qui décident du rythme des combats. L'armée malienne et l'armée burkinabé actuellement. Donc, le maillon faible de la chaîne, maintenant, c'est le Niger. Parce qu'actuellement, le Mali et le Burkina sont en train de mettre les gros moyens pour pousser les terroristes hors de leur territoire. Les terroristes n'ont plus d'autre refuge que d'aller vers le Niger parce qu'ils pensent qu'il y a moins de résistance là-bas. Ils sont en train de faire un véritable carnage dans les rangs de l'armée du Niger. C'est-à-dire, c'est regrettable. Nous compatissons à la douleur de nos frères nigériens tombés. Nous ne souhaitons pas que cela leur arrive. Mais si leur président continue à s'entêter sur cette voie, sur cette lancée, en pensant que la France est là pour les aider, ou les États-Unis sont là pour aider l'armée nigérienne, alors en réalité, qu'il n'en est rien. S'il n'a pas compris cet état de fait, c'est que Bazoum est en train de conduire, de livrer son soldat à l'abattoir. Le mot est dur, mais c'est la réalité. La vie des soldats nigériens compte pour nous. Même récemment, le Burkina a changé de partenaire. L'armée burkinabé a changé de visage. Chaque jour, elle détruit des terroristes. Même hier, nous avons constaté que des VDP ont été attaqués par des terroristes. Automatiquement, les VDP ont repris le dessus avec le moral et mental d'acier. Ils ont montré aux terroristes qui sont déterminés, qui sont détournés d'un patriotisme qui leur pousse à vaincre les terroristes jour et nuit. Ensuite, l'armée de l'air burkinabé est intervenue pour détruire les restes de la colonne des terroristes. Imaginez, il y a 3 mois, cette armée était décriée par tout le monde, mais en 3 mois, le Burkina a eu une armée debout, une armée qui s'équipe, une armée qui achète des équipements, en même temps une armée qui se forme, une armée qui fait en même temps des opérations spectaculaires. Ce n'est pas donné à n'importe quelle armée. L'armée burkinabé est devenue une puissance dans la sous-région. En si peu de temps,
si les Niger de Bazoum n'arrivent pas à comprendre que tant qu'il y a la présence française, la présence des forces étrangères, la présence occidentale sur leur territoire, que cela ne ferait qu'engager le terrorisme. Parce qu'ils chercheront toujours à justifier leur présence. Leur présence équivaut, la justification de leur présence équivaut chaque fois à des morts de soldats nigériens. Pour dire, si vous vous débarrassez de nous, demain il y aura des attaques plus pires que ça. Donc, c'est au peuple nigérien de décider. C'est au peuple nigérien de savoir que la France ne peut pas gérer leurs problèmes. La France sur un territoire, c'est des sacs à problème, c'est des attentats plus les Américains sur les forces de défense et de sécurité. Peuple nigérien, nous sommes là, nous sommes obligés de vous expliquer, nous sommes obligés de vous expliquer ce que signifie la présence française sur un territoire, les conséquences désastreuses que ça amène. La perte de vie des soldats que ça engendre. La destruction des villages que ça engendre. Prenez votre responsabilité en main. Salam alaikum.